son de répétition là est sur toi et moi. Et le son de ces personnes qui sont parties est en train de parler contre toi et moi. On est en train de dire alors, yope balabata la yo. Toi aussi avance, on regardera. Toi aussi avance, on verra. Toi aussi rentre dans la gloire, on verra. Les combats que tu es en train de vivre, Yaya, je disais tout à l'heure au début, ce que tu es en train de voir physiquement, ça s'est déjà passé spirituellement. Ça s'est déjà passé spirituellement. Avant même que toi tu te réveilles, avant même que toi tu te lèves, ça s'est déjà fait. Lévitique 26 au verset 29, la Bible dit ceci. Va prendre, on va lire rapidement et on va prier. La Bible dit ceci au verset 29. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Alléluia. 26 verset 39. Je vais lire pour toi. La Bible dit ceci. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur par leur iniquité dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur dans les iniquités de leur père. Yaya, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de payer le pot cassé. Maman, papa, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de payer le pot cassé. Yaya, tu es en train de prier, les problèmes ne font que arriver parce que la fondation est défectueuse. Aujourd'hui, tu dois aller réclamer alors la réparation. La fondation alors dans ce sol-là qui n'est pas solide, sur lequel doit reposer ta délivrance. La délivrance vient un peu, tu sens l'odeur de la délivrance. La délivrance disparaît. Tu sens l'odeur de la joie. La joie disparaît. Alléluia. Quels sont les actes du passé dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est fait dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père, tes arrière-grands-parents? Qu'est-ce qui s'est dit dans ta famille? Comment est-ce que les gens ont réagi quand on t'a vu dans le bonheur? Comment est-ce que les gens ont réagi quand ils t'ont vu avancer? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? De quoi est-ce que tu es au courant? Qu'est-ce que alors le sang ancestral est en train de parler sur toi? Yaya, tu as besoin d'une bonne fondation pour ta destinée. Tu dois renverser la fondation défectueuse aujourd'hui. Aujourd'hui, alors chaque faiblesse dans ta vie de prière, chaque faiblesse dans ta famille, chaque problème qui est dû à cause de la fondation défectueuse, aujourd'hui, ça doit recevoir le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes, alors, ne peuvent pas te rendre paresseuse, mais bien au contraire, lève-toi davantage dans la prière. Les problèmes de la vie qu'on a organisés depuis la fondation de ta famille, lève-toi dans la prière. Ce que tu es en train de subir, c'est déjà dans la fondation défectueuse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Cette fondation défectueuse, je parle beaucoup français aujourd'hui. Ça doit recevoir le feu dans le nom de Jésus. Il y a d'autres fondations sur lesquelles on a déclaré de génération en génération, de génération en génération. La Bible déclare que même Dieu, il maudit alors jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Yaya, regarde-toi bien. Beaucoup de gens ont du mal à avancer. Il est très regrettable de remarquer que même les chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre que le spirituel influence le physique. Alléluia. Lorsque le fondement spirituellement est renversé, lorsque tu ne peux pas prier, c'est compliqué pour toi. Tu es en train de prier superficiellement, mais tu n'es pas en train de regarder la fondation, la base. La base. Tu es en train de travailler, il n'y a pas de promotion. Tu es en train de travailler, il n'y a pas de rémunération. Tu travailles même plus que tu n'es rémunéré. Tu dois être promu, ta promotion t'est refusée. Tu dois être libre financièrement, on te le refuse, on dit non à ta joie. Des conflits générationnels alors limitent ta destinée à cause de la fondation défectueuse. Les racines de ta famille alors emmènent la tromperie, l'adultère, l'inceste à cause alors de la fondation défectueuse. Tout le monde se mélange, alléluia, lève-toi dans la prière. L'un des domaines dans lesquels les chrétiens aujourd'hui ont le plus grand besoin, c'est-à-dire que, je ne sais même pas ce français-là, c'est compliqué, demande la délivrance de la fondation. On n'a pas encore parlé de ce thème-là dans mon ministère. La fondation défectueuse, aujourd'hui, va dire à l'Éternel, ma fondation doit être restaurée. Je vais rebâtir avec toi. Je vais me relever avec toi. Bâtis avec l'Éternel. Refuse la méchanceté de la maison de ton père, le mauvais cœur de la maison de ta mère que toi, tu as hérité à cause alors de cette fondation-là. Tu es en train de vivre la honte que tu ne mérites pas. Tu es en train de vivre l'humiliation que tu ne mérites pas. Ta vie ne correspond même pas à ce que tu es censé vivre.
à ce que tu es censé connaître, à dans laquelle tu es censé alors rentrer. L'ennemi détruit les fondations, les bonnes fondations de ta vie. Et il est en train de te réclamer par les fondations défectueuses. Il est en train de t'éloigner de ta joie, mais te rapprocher alors de la maison de ton père ou de ta mère. Yaya, tu dois prier. Tu dois mettre fin au pouvoir ancestraux qui parle contre les fondations de ta vie. Tu dois rentrer dans ta délivrance. Tu dois rentrer dans ta joie. Tu dois rentrer dans le changement. Lorsque l'ennemi veut attaquer quelqu'un, Yaya, lorsque l'ennemi veut attaquer quelqu'un, enlever quelqu'un la joie, il ne passe pas ailleurs, il rentre dans la fondation. Parce qu'il sait lorsqu'il passera par la fondation, la faiblesse va rentrer. C'est-à-dire les murs vont bouger. C'est-à-dire que la fondation là, ça risque de tomber. C'est-à-dire ça va faire écrouler tout le reste. Le diable, il s'assure qu'un grave problème arrive dans ta famille, dans la fondation de ta vie, afin de te distraire, afin de t'empêcher d'aller de l'avant, afin de t'imposer les échecs, les erreurs, les luttes, la rétrogradation. Lève-toi dans la prière. Le fondement alors de ta vie, la fondation de ta vie est les battements de ton cœur. Regarde bien et dis à l'Éternel, Seigneur, ça doit changer par moi. Peu importe les fondations qu'il y a dans ma famille, ça doit changer par moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce que tu es en train de faire, tu es en train de prier en Dieu, tu ne pries pas. Alléluia, alléluia. Tu t'es donné totalement, complètement, entièrement. Alléluia. Et tu n'es pas rémunéré et tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Et la pauvreté te réclame, le retard te réclame. Alléluia. La haine est en train de parler, la déception est là, les décès prématurés, le manque de finances, le manque de joie, les fausses couches, c'est-à-dire le diable est en train de s'arranger que toi tu ne sois pas dans la joie. Yaya, tu dois prier. Il y a longtemps peut-être que tu n'as pas prié pour la fondation de ta vie. Il y a longtemps peut-être que tu n'as pas prié pour la fondation de ta famille. Il y a peut-être longtemps que tu n'as pas prié pour la fondation de ton partenaire. Il y a peut-être longtemps alors que tu n'as pas prié pour que tu ailles de l'avant. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, effectue cette prière-là dans la profondeur. Nous allons prier, tu vas dire à l'Éternel de te localiser et qu'il ouvre ton ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, dans de nombreuses familles. La fondation du mariage est arrêtée. Oui, la fondation du mariage est arrêtée. La lenteur dans le mariage ou alors le mariage tardif, tu ne comprends absolument rien. Lève-toi dans la prière. Tu es en train de constater même que le mal est en train de parler. Les complots sont en train de crier. On ne veut pas voir des couples dans la joie. On veut seulement vous voir dans les larmes. Yaya, lève-toi dans la prière. Tu dois réclamer aujourd'hui ta délivrance au nom de Jésus. Tu dois réclamer. Maintenant, je te parlais des signes, des fondations défectueuses. Partage le live au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les signes des fondations défectueuses. Yaya, lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. YouTube, on partage s'il vous plaît. Alléluia. Va partager, va évangéliser, que l'Éternel, mon Dieu, te localise. Va partager, va évangéliser, nous allons prier. Au nom de Jésus, les miracles doivent se lever. Ton témoignage doit te localiser. Ta joie doit te localiser. Ton succès doit te localiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête tous ceux qui ont combattu ta joie depuis des années. Yaya, la terre va s'ouvrir et les avaler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle comme l'oracle du Dieu très haut. La terre va s'ouvrir et les avaler. By fire, by force, in the name of Jesus. Alléluia. L'Éternel, le Dieu des armées, il va agir. L'Éternel, le Dieu des armées, il va ouvrir. L'Éternel, le Dieu des armées, yandarabo, shendereke, yakababa, koriana mana shike. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, le Dieu des armées, il va te toucher là où tu es. Et tu pourras aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Yandarabo shendereke yakababa shike. Alléluia, 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 alléluia. Sur TikTok, ça fait toujours comme ça, tout va bien. Sur TikTok, ça répète tout le temps comme ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais ne t'inquiète pas, que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse, ma fille à moi. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse énormément du bien dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, ton témoignage doit être entendu dans le nom de Jésus. Je vais te parler de quelques signes. Les signes alors que ta fondation est défectueuse, la fondation de ta vie ou la fondation de ta famille est défectueuse. Lève-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya, aujourd'hui nous allons prier. Aujourd'hui tu vas bouger le ciel. Alléluia. Aujourd'hui tu vas bouger le trône de Dieu. Tu dois réclamer le changement devant le fondement défectueux de ta famille. Tu dois réclamer la délivrance devant la
la fondation défectueuse de ta famille. Au nom de Jésus, le changement doit te localiser. La gloire de l'Éternel doit te localiser. L'ange en charge de la délivrance doit te localiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour savoir que la fondation est défectueuse. Dans certaines familles ou dans la vie de certaines personnes, tu vas remarquer les gens ont la vie courte. Alléluia. Les gens ont la vie courte. Les gens ne vivent pas trop longtemps. Les gens ne vivent pas trop longtemps. Les gens meurent rapidement. Les gens meurent subitement. Alléluia. On ne comprend pas. Alors, les gens tombent rapidement. C'est-à-dire, les jeunes meurent plus vite alors même que les vieux. Les fondements défectueuses. Alléluia. Les jeunes sont sacrifiés. Les jeunes sont mis à leur offrant. Alléluia. On met les jeunes au front. On laisse les vieux derrière. Les vieux sont en train encore de vieillir, mais les jeunes sont en train de partir. Les gens ont une vie courte dans votre famille. Lève-toi dans la prière. Réclame alors ta vie. Réclame alors ta joie. Josiane, alléluia. Réclame alors ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les gens sont en train de partir. Les jeunes sont en train de disparaître et les vieux sont en train de rester. Alléluia. Tu es en train de remarquer seulement comme ça, oh ma cousine là est partie, oh ma nièce là est partie, oh non tu ne sais pas l'enfant d'un tel est décédé, oh tu ne sais pas tel problème, les gens ont une vie courte, refuse cela, renonce cela, brise cela, détruis cela, réclame la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les fondements défectueuses, ça va finir par toi, ça va s'arrêter par toi, tu vas remarquer dans votre famille ou d'une manière générale, les gens travaillent beaucoup. Les gens travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la pauvreté est là. Les gens travaillent beaucoup. Mais les gens ne sont pas bien rémunérés. Les gens travaillent beaucoup, c'est-à-dire que la personne donne même, tu es en train de travailler, tu es en train de te contenter du peu. Tu es en train de travailler, tu es en train de gagner, mais ce n'est même pas ce que tu es censé alors avoir. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi alors dans la prière. Réclame ton miracle au nom de Jésus. Réclame alors aujourd'hui ta délivrance dans cette fondation défectueuse. Tu vas remarquer, les gens sont dans la famille, ils n'ont pas de but. Tu es là. Même toi là, je te pose même la question. Quel est ton objectif pour cette année, à part mettre au monde? Toi seulement, maman, je vais accoucher. Mais quel est ton objectif? Ton objectif dans la vie, c'est quoi? Tu n'as pas d'objectif. Les gens marchent sans objectif. Les gens sont en train de marcher sans but. Alléluia. C'est-à-dire que tu es en train de vivre du jour au lendemain. Tu n'as pas d'objectif fixe. Et même quand on te demande, tu veux que l'Éternel te fasse quoi? Que Dieu me donne le mariage. Que Dieu me donne. Mais quel est ton objectif à toi dans la vie? Quel est ton objectif à toi? Tu dors, tu te réveilles. Quel est ton objectif à toi? Quelles sont les marques que tu veux laisser sur la terre des vivants? Quelles sont les marques sur lesquelles toi tu veux marcher pour avancer? Quels sont les objectifs? Tu n'as pas d'objectif. On peut même prendre 1 million là, on te donne. Tu n'as pas d'objectif. Tu vas remarquer dans votre famille, il y a des maladies qui souillent les gens. C'est-à-dire, il n'y a que des maladies qui souillent les gens. Les maladies ou les diagnostics des médecins, même c'est compliqué. Toi-même, tu regardes français là, tu lis encore français là, tu écoutes encore français là. Toi-même, tu te dis, tu vas voir même dans Google. C'est-à-dire, il y a des maladies, c'est-à-dire les noms compliqués. Il y a certaines maladies, même le médecin te dit, il n'y a pas de nom pour ça. On n'a jamais vu ça. Vous avez des maladies étranges qui se promènent dans la famille. Les maladies qui n'ont jamais existé, c'est ça qui rentre alors dans votre famille. Et élève-toi dans la prière. Sylvia dit, c'est moi, oh maman. Ma fille, nous sommes en train de prier. L'Éternel, il est fidèle. L'Éternel, il est fidèle. Alléluia. Tu vas remarquer, tout le monde souffre de détresse conjugale inexplicable ou alors d'un mauvais mariage. Tout le monde est dans la détresse conjugale inexplicable. C'est-à-dire, personne ne connaît vraiment la joie ou le bonheur du mariage. C'est vrai, dans tous les couples, il y a des problèmes. Tapotez TikTok, s'il vous plaît. Ou alors, je coupe le live, s'il vous plaît. On tapote du côté de TikTok, s'il vous plaît. Ou alors, j'arrête les commentaires, j'anéantis, j'enlève les commentaires, au moins que le live passe comme ça dans le vide. S'il n'y a personne, ne commentez pas seulement, mais tapotez, réagissez.
Réagissez, s'il vous plaît. Attendez, je vais essayer de mettre un bébé ici. Tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme si vos maris, là, ils sont nés même père, même mère. C'est comme si vos femmes, là, ils sont nés même père, même mère. Alléluia. Josiane dit, c'est ma famille, maman, les mariages sont désastreux. Ça, c'est français, hein. Ma fille, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps que tu sois affranchi. Tu ne répéteras pas cette histoire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Partage le live, Yaya. Tout le monde, c'est pas que les gens ne se marient pas. Les gens se marient, mais les gens se marient dans l'humiliation. Parfois, tu te retrouves avec un homme, c'est-à-dire il est en train de te regarder. On dirait que tu es dessin animé. Il est en train de vivre même avec toi avec chantage. Si tu continues comme ça, je m'en vais. Si tu fais comme ça, on ne va plus être ensemble. Va-t'en, quitte ma maison. Hein. Si ça fait comme ça, moi, je ne veux plus. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en train de vivre les mariages. On dirait même, je ne sais même pas, on dirait le film de X-Or. C'est-à-dire les mariages par série. Aujourd'hui, il revient. Après-demain, il repart. Aujourd'hui, ça s'arrange. Après-demain, ça se gâte. Yaya, lève-toi dans la prière. La fondation défectueuse, là. Aujourd'hui, ça doit recevoir fire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, tu es en train de vivre même avec quelqu'un ou tu es alors dans le couple, où tu as l'impression que tu vis avec ton père, où tu as l'impression même que tu vis avec ta mère. C'est-à-dire, ce que ta mère subissait, ce que ton père subissait, là, c'est ce que toi aussi tu es en train de traverser. C'est ce que toi aussi tu es en train de vivre. Yaya, lève-toi dans la prière. Réclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette fondation défectueuse, aujourd'hui, tu dois réclamer la réparation. Tu dois dire à l'Éternel, j'ai besoin de la réparation. Quand les gens vous voient même dehors, on dit, ah, c'est un bon couple. Hein? Ah, vraiment, ils sont bien. Ah, j'aime beaucoup leur couple. Mais Yaya, ce qu'il y a dedans, là, c'est le poteau-poteau. Ce qu'il y a dedans, là, c'est triste. Quand les gens vous regardent dehors, les gens même disent, ah Bango, vraiment, félicitations, ah vraiment, j'aime ça. Eh, vraiment, ils sont bien. Eux, vraiment, vous portez même les mêmes chemises, même vous partagez même les mêmes choses. Ah, les fiançailles, là, vraiment, ça va marcher. Leurs fiançailles, là, on pense, en tout cas, eux, vraiment, ils vont se marier. En tout cas, on pense que dans leurs fiançailles, là, en tout cas, chez eux, en tout cas, ça va répondre. En tout cas, pour eux, là, en tout cas, la manière dont je vois, en tout cas, la manière dont je suis en train de regarder, ah vraiment, hein, chez eux, vraiment, c'est bon. Hein. C'est eux, vraiment, c'est vraiment, vraiment ça. Hein. Ah vraiment, moi, j'aimerais avoir un mari comme pour faveur miracle. Vraiment que Dieu me donne un mari comme pour miracle cristallé, que Dieu me donne alors un homme comme un tel. Mais lorsque tu es en train de regarder dans la profondeur de ce couple-là, il y a alors les matières fécales sur matières fécales, inconsidération sur inconsidération, tristesse sur tristesse, complot sur complot, honte sur honte, c'est-à-dire larmes sur larmes. Yaya, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière pour que tu ailles de l'avant au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un mauvais mariage, un mauvais, c'est-à-dire ce que ta mère vivait là, ce que ton père vivait là, ce que ta mère subissait là, c'est ce que toi aussi tu es en train de subir. Lève-toi dans la prière, ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous allons prier. Aujourd'hui, tu vas demander à l'Éternel d'intervenir dans ta vie, dans ta destinée. Aujourd'hui, tu vas demander à l'Éternel de te réparer dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas demander à l'Éternel, est-ce que je continue ou je m'arrête là? Je continue ou je m'arrête là? Alléluia. Je continue ou je m'arrête là? J'ai envie de parler, j'ai envie même moi-même de continuer volontairement. J'ai envie de continuer, mais ça doit être partagé le live. J'ai envie moi-même de continuer. Le retard général, c'est-à-dire d'une manière générale. Oh, yo, qu'un retard général. Alléluia. Retard général. On a relevé une seule personne. Alléluia. On a changé la vie d'une seule personne. Tout le monde, retard général. Alléluia. Et lève-toi dans la prière. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Lève-toi dans la prière. Retard général, tout le monde est à la case départ. Quand on avance, on avance, on avance, on avance, on se retrouve encore à la case départ. Tu te retrouves alors, les gens ont des difficultés pour faire du progrès, tant physiquement que spirituellement. Les gens ont des difficultés. Les gens sont en train de jeûner, de prier, mais c'est comme si le changement refuse même de rentrer.
Tu vas remarquer, un homme te promet, je viendrai t'épouser, je t'aime beaucoup, tu es mon genre de femme, moi j'aime des femmes comme toi, moi j'aime les hommes comme toi. Yaya, tu te retrouves, tu entends, il est allé se marier, elle est allée se marier ailleurs. Yaya, lève-toi dans la prière, la fondation défectueuse. Tu vas remarquer l'échec constant au bord des percées. Dès que tes percées se lèvent, l'échec parle. Quand tu n'avais pas de projet, quand tu n'avais rien, il n'y a pas de combat. Mais dès que alors une activité se lève pour toi, dès que tu veux toucher, dès que tu veux palper, dès que tu veux témoigner, dès que tu veux danser, l'échec se lève. Yaya, lève-toi dans la prière et prie. Tu vas remarquer la captivité familiale, la captivité collectif, ça c'est français, non? La captivité inexplicable, c'est-à-dire la captivité familiale. Tout le monde est, c'est-à-dire on a pris tout le monde, on a mis quelque part. On a pris tout le monde, on a arrêté quelque part, on a stoppé quelque part. On a déjà mis des limites. On a dit, même si toi tu as voyagé, même si toi tu es sorti alors de la famille, même si toi tu es parti loin de la famille, même si tu as traversé, même si toi tu te crois de l'autre côté, mais le combat est là, les problèmes sont là, ça te réclame, chez nous ça se fait pas. Yaya, qu'est-ce qu'on a dit? Maman, qu'est-ce qu'on a dit? Lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, l'Éternel veut te faire du bien. Aujourd'hui, l'Éternel veut changer ton nom, veut changer la fondation défectueuse de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette fondation-là, l'Éternel veut la changer au nom de Jésus-Christ. La captivité collective, tout le monde est captivé. Tout le monde, c'est-à-dire personne n'est exclu de cette situation-là. Tout le monde vit la même situation. Les gens te détestent sans raison. C'est-à-dire quand les gens te voient là, les gens te haient. Là, c'est français. Les gens te haient sans savoir pourquoi. Toi-même, tu te poses la question, mais j'ai fait quoi? Ma fille, tu dois savoir, Josène dit, maman, c'est moi, oh. Malgré l'éloignement. Oui, ma fille, lève-toi dans la prière. Voilà pourquoi, lorsque nous disons la distance, ce n'est pas une barrière spirituellement. C'est aussi pour les sorciers. Lève-toi dans la prière. Tu dois créer la barrière maintenant. Tu dois rentrer dans ta délivrance et tu dois rentrer dans ta joie. Tu dois rentrer dans ta délivrance et tu dois rentrer dans le changement. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, tu dois réclamer ton témoignage à toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Parce que le sorcier n'a pas besoin d'un visa. Le sorcier n'a pas besoin d'un visa pour vouloir alors te combattre. Le sorcier n'a pas besoin d'un visa pour chercher à t'arrêter. Le sorcier n'a pas besoin d'un visa pour chercher à te stopper. Mais lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, tu dois faire intervenir les anges de l'Éternel concernant ton cas, concernant ta vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Les gens te haient sans raison. Les gens te détestent sans raison. Toi-même, tu regardes, tu dis, hé, mais on était bien, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hé, mais j'ai encore fait quoi? Nasai susunini awa. Eh. Mais moi je pensais c'était fini, non. Eh. Mais moi je pensais vraiment c'était déjà terminé, non. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu as alors c'est-à-dire tu as des difficultés pour maintenir les bénédictions que tu reçois. C'est pas que tu reçois pas la bénédiction. Ce n'est pas que tu ne connais pas la bénédiction. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas que Dieu ne te bénit pas. Mais lorsque la bénédiction arrive, garde la bénédiction longtemps maintenant. Garder la bénédiction est devenu un combat. Garder un homme, garder un foyer, garder même l'argent est devenu un combat. Garder des relations est devenu un combat pour toi. C'est-à-dire que tu as des difficultés pour maintenir des bénédictions de Dieu. Yaya, ne plaisante pas avec cette fondation-là. Ne plaisante pas avec cela. Tu dois avoir un but à atteindre. Voilà pourquoi le 31 décembre, le 1er janvier, nous avions dit, prends un stylo, écris. Écris alors, que mets-le à un endroit où tu veux ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi pour cette année. Et tu dois alors rentrer dedans au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je veux qu'on aille confesser. Toi et moi, tu dois alors déclarer haut et fort.
Toi et moi, tu dois déclarer haut et fort. 2 Colossiens 2, 14 à 15. Tu dois le déclarer haut et fort. On va aller le déclarer maintenant. Vous savez, si je commence à parler, on risque de finir demain. Alléluia. Si je continue à parler, on risque de terminer demain. Parce que l'Éternel a beaucoup parlé. L'Éternel a beaucoup, 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 beaucoup parlé pour toi. Alléluia. Mais ce que tu as entendu là, sache déjà que ta délivrance arrive. Alléluia. La Bible déclare ceci, je vais lire pour toi, au verset 14 jusqu'au verset 15. Je répète encore Colossiens 2, 14 à 15, il dit, il a effacé, Yaya. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Partage le live. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire, il n'a pas seulement détruit. Il l'a cloué à la croix. Il l'a mis à la croix pour dire que l'acte qui nous condamnait là, pour dire que l'acte qui t'arrêtait là, pour dire que l'acte qui te stoppait là, pour dire que l'acte, cette fondation qui te réclamait, il a dit alors, ce qui subsistait contre nous, il a détruit. Il n'a pas seulement détruit. Moi, j'aime beaucoup français là. Il dit, il n'a pas seulement détruit, mais il a cloué à la croix. Yaya, ça veut dire, c'est exposé là-bas. Le diable, il sait, il n'a plus rien à faire. Le diable, il sait, cette fondation doit être renversée. Et verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, comme un film, Yaya, en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé de cela. Tout ce que je viens de t'énumérer, l'Éternel a triomphé au nom de Jésus. L'Éternel a triomphé déjà de cela. Alors tu vas aller prier avec moi. Maman, tu vas aller déclarer avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis là. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis là. Aujourd'hui, Éternel, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon cœur comme tu l'as promis à ta servante Éternel, c'est à mon cœur que tu as parlé, c'est à ma vie que tu as parlé, c'est à ma délivrance que tu as parlé. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens aujourd'hui déclarer, Éternel, 2 Timothée 4, 18. Au nom de Jésus, je lève Ésaïe 53, verset 3 à 5, Éternel. Aujourd'hui, Éternel, je me sépare. Dans le sang de Jésus, je me sépare de toute fondation défectueuse, Éternel, de ma famille. Aujourd'hui, Père, je me sépare. Alléluia. Yandarabo Shenderekeya Kababa. Aujourd'hui, Éternel, je me sépare de la fondation défectueuse, Éternel, de ma famille, de la fondation défectueuse, Éternel, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Aujourd'hui, je me sépare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yaya, je fais une recherche physique maintenant de la famille de ma mère, Éternel, de la famille de ma mère, Éternel. Personne n'est allé, Éternel, mon Dieu, mon roi, à l'université. Personne, Éternel, papa ne travaille dans un bureau, dans la famille de ma mère, Éternel. Tout le monde fait le travail, Éternel, de la main. Je fais la recherche, Éternel, papa physique maintenant, dans la famille de ma mère, Éternel. Va dire à l'Éternel, va réclamer, va regarder. Aujourd'hui, Éternel, mon Dieu, je te confie le parcours, Éternel, de ma famille maternelle, Yaya. Viens les clouer à la croix de Golgotha. La famille paternelle, Éternel, viens les clouer à la croix de Golgotha. Je demande que le sang de Jésus parle pour moi. Oui, Seigneur, je plaide le sang de Jésus dans le conscient, dans le subconscient, dans la longueur, la largeur de ma vie éternelle. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour me purifier, pour me sanctifier, pour m'enlever sur la liste éternelle de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. Et je déclare et décrète éternel, mes enfants ne répéteront pas l'histoire de ma mère, mes enfants ne répéteront pas l'histoire de mon père, mes enfants ne répéteront pas mon histoire éternelle, car tu en fabriques, papa, pour eux aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je dénonce éternel à toute allégance éternel, mon Dieu, mon roi de l'ennemi. Je renonce et je dénonce éternel à tout pouvoir de l'ennemi, à toute force de l'ennemi éternel contre ma vie. Je renonce et je dénonce éternel au nom de Jésus à toute fondation défectueuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, j'obéis à ta parole aujourd'hui. Je confesse éternel le psaume 16 maintenant, verset 4, ô éternel, que la douleur éternelle, papa, se multiplie dans le camp de l'ennemi et que moi, je sois
libre par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Je viens prier dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je parle, l'Éternel, aux démons de la maison de mon père, de la maison de ma mère, du schéma de la maison de mon père, le schéma de la maison de ma mère. Aujourd'hui, je lève Luc 10, verset 19 maintenant, libérez ma vie, libérez ma destinée dans